Bennett Anderson débarque en ville, débarque à Los Santos. Bennett Anderson débarque en ville, débarque à Los Santos. Quel con ce viocre. Dites-moi-le que sa voiture il est au sens inverse. Regarde-le, le con. J'ai répondeur, quand puis-je... puis-je voir mon... fils. Il va dire jamais, là, un truc comme ça, c'est ça? Votre fils est actuellement au Kumiko. Oh, dérapage, t'as vu? C'est bien, hein? Guette-moi-le, là, sa tête, ça me fait délirer de le voir. Putain. Faudrait que je le mette en mode Jones un jour. Yep là! Putain, par contre... Faut que je demande la bouffe, parce que j'ai tout vendu comme un con sans faire exprès. Ouais, qu'est-ce que le fossile? Oh, mais c'est lui qui a récupéré les chiottes, le Danico. Ouais, le fossile, qu'est-ce que ça? Oui, c'est moi, oui. Foutez-vous. Je pourrais te parler. Bon. Bah, tu sais quoi? Bah, tu sais, tu peux parler aussi ici, hein. Bah, j'ai envie de t'inviter à boire. Ah ouais, que je m'en aille. Et pour tes plaintes. Hein. Pour tes plaintes, pourquoi? Oui, je me suis fait agresser. Putain, j'espère que t'as perdu l'élan. Eh ben non, j'en ai déjà pas. Putain, dommage. Il est con, lui. J'aimerais porter plainte. Bon, bon, en tout cas, c'est certainement pas moi qui va prendre ta plainte, hein. Bon, ouais. Prends deux, ouais. Tu peux la prendre. Et du coup, tu veux accepter ma... mon verre ou pas? Bah, y'a aucun bord ouvert. Bon, dis-le que tu veux pas, hein. Bah, un peu, ouais. Vas-y, t'es occupé ou pas, là? Bah, je suis en service. 10-4. Hein? Non, je disais 10-4. Pour? La radio? Bah, 10-4, ça veut dire faire monter. Ah, ok. Bon, tu peux nous dire quand t'es disponible ou pas? Bah, tu veux parler de quoi? Mais boire un verre avec toi! Bah ouais, mais pour faire quoi? Bon, dis-moi quand t'es disponible. Ça marche. Il est con quoi lui? Mais je t'arrive? C'est quoi? C'est quoi, vas-y? Il veut m'ignorer? Il veut m'ignorer? On va faire un truc. C'était sa voiture, ça. Regarde. Pourquoi il me regarde comme ça? Oups, ta voiture. Quel bâtard. Connard. Comment on monte sur le toit là? Ok, j'ai trouvé. Regarde, suicide. Voilà. Les flics ils arrivent. Ils sont où? Monsieur! Approchez pas! Foutez-vous ton père. Monsieur! Approchez pas! Vous voulez qu'on discute? Je veux sauter! Mais non, vous allez pas sauter, arrêtez vos conneries. Oui, je crois. Il a dit à ce qu'on perd. Monsieur! Vous voulez qu'on discute? Descendez un petit peu, s'il vous plaît. Je suis venu là pour mon fils, et maintenant il m'ignore. J'ai sauté. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi je vais sauter, je vais rejoindre mon père. Mais non, pas dire ça, monsieur. Venez, on va discuter un petit peu si vous voulez. Je suis venu rien que là pour le. La ring pour lui. Vous êtes venu le revoir? Oui. D'accord. Mais lui il mais a pas trop l'air de vouloir accepter. Mais. Comment dire? Mais non, mais. Écoutez. Vous avez des bonnes relations avec votre fils? Eh justement, pas tellement. C'est pour ça que je suis venu me pardonner.
D'accord, bah c'est peut-être pour ça qu'il a un peu du mal. Enfin, faut peut-être lui laisser un petit peu de temps. Oui, je le pense, seul truc, c'est le seul truc qui me reste. J'ai pas de famille. Je vais vous comprendre, monsieur, mais c'est faut le un seul petit peu fils de temps. Qui me reste. Faut un petit peu de temps, mais enfin, faut pas faire ça. Justement, si vous essayez de renouer le lien là, ça va être vite vu. Hein, si... Enfin, voilà, faut pas. Faut essayer de persister. J'ai plus rien à faire ici dans ce monde. Mais dites pas ça, vous avez encore votre fils. Il est là pour vous quand même. Enfin, comment dire, faut le temps de renouer. Vous êtes là depuis combien de temps? Un jour, deux jours? À peu près. Bah voilà, enfin faut le temps. Si vous me dites que c'était compliqué avant, que vous êtes venu pour lui, faut le temps que. Mais que il, ça a... Se fasse, je il a l'air de s'en battre les couilles de ma vie. Mais non, mais monsieur, c'est normal, ça fait que deux jours que vous êtes là. Il est tombé. Il est tombé. Qui ça, monsieur? 48. 48, ça va? Je vais l'aider à monter, vous bougez pas. Hein. Oui. Ça marche. Oh putain, la scène. Monsieur, vous avez raison, votre fils est un handicapé. Et toi? Pardon. Oui, je l'ai vu. Oh, le fossile, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai sauté. Pourquoi tu vas sauter encore? Parce que... Pour toi, j'ai un gros bâtard parce que j'ai ignoré ta mère. Bah ouais, je suis parti au Vietnam pour voir mon père parce qu'il était mort. D'accord. C'est le seul truc qui me restait. Je reviens pour toi. Et tu t'en bats les couilles. Du coup, j'ai rien à faire ici. Mais non, faut dire ça, monsieur. Comment ça, je m'en bats les couilles? Y'a pas de barre d'ouvert. Qu'est-ce que... Bah justement. Bah, attends, parce qu'il y a pas de barre d'ouvert que je m'en bats les couilles? Tu m'ignores totalement. Bah non. Je suis venu là pour m'excuser, pour te revoir. Pour revoir la seule chose qui me reste. Eh ben... Il faut le temps, monsieur. Voilà, il faut le temps, je vais pas te pardonner en... Eh, hey, tu sais, tu m'as pardonné à l'âge de 7 ans. Ah ouais? Ah oui. Oui, mais il y a des raisons derrière. Je t'ai pas abandonné. Pour moi, c'est un abandon. Bref. Moi, je vais sauter. Mais non, monsieur. Non, reste non, là, non, reste non, là. Là. Je vais sauter. Attends, viens, on va boire un verre. Il y a pas de bar. T'inquiète, tu m'en braques un. Non, ça c'est des conneries, mais il y a moyen d'aller boire un toi, peu. Et toi, tu me t'en bats les couilles. Tu il m'ignores. Il va vous payer une tasse de thé. Ouais, c'est ça, je vais rejoindre mon père. Arrêtez mais non. Ça, monsieur. Mais non, mais papy, il est encore vivant. Qu'est-ce que tu me dis? Le papy de ta mère, oui, le papy de moi, non. Ah. Il est mort. Bah écoute, si à tu la veux, guerre poser... du Vietnam le 1er novembre 1950. Ah, je crois que c'est 1951. Bon, bref. Non, 50. Non, 51. 50. 51. Non, 50. Mais il se fout de ma gueule, hein. Non, 51. Non, c'est 50. Mais non, c'est 51. Quelle est la date? Première guerre. Merde. C'est quoi? Première guerre mondiale, c'est 14-18, monsieur. Date. Guerre Vietnam. Voici ce que j'ai trouvé. Ouais, bon, c'est de la merde. 1950. Tiens, c'est là d'avoir de l'humour en tout cas, monsieur. 51. Bon, écoute, tu sais quoi? On va se poser chez moi, d'accord? J'ai des bières. Et si tu veux, j'ai une pute. Mais j'ai pas besoin de ça. Bah, quand même. Bah, allez, viens, on va se barrer un coup, là. Et t'arrêtes de m'ignorer. Bah oui, t'inquiète. Il va me taper, pourquoi il va me taper? C'est bien. Pourquoi il va me taper? Je sens qu'il va me taper. Ça fait plaisir de te changer parce que. Ouais, mais y'a que ça qui me parle. Bah, emmène-le au magasin de vêtements, hop. Va le rhabiller, ça fera plaisir. Ouais, bon, allez, viens. Allez, venez, on vous emmène. Oui! Oh là là. L'expédie est toujours là. Date de la guerre du Vietnam. Je sais que 52 il est gentil, mais. Cela s'est passé entre le mardi le 1er novembre 1955 et le mercredi. Ouais, je vous l'avais dit, c'est un handicapé. Ah bah d'accord. T'es pas tel fils, hein. Bon les gars. Bon, allez, chauffeur taxi là, direction magasin de pente, s'il vous plaît. Bien, capitaine, mon adjudant, pardon. Adjudant, carrément. Eh oui, je suis adjudant. Eh oui, on va où? Sous la côte de PDP? Ouais. Ok, ça marche. Eh, tu sais quoi? On a tort tous les deux. Pourquoi? La guerre du Vietnam, c'est entre le 1955 et le 1975. Foutez, vous en êtes loin. Bah, il est mort en combien alors?
J'ai l'Alzheimer. Putain. Ça te trouve bien, j'ai déjà regardé ton état psychiatrique, hein. T'as rien du tout. Psychiatre ? Oula. Ouais, psychiatrique et mental, là. Je sais pas si ça dit ça. Ah oui, parle, je veux. Santal, c'est quoi Santal? Oui, mais avec l'âge, tu sais, ça vient. Je m'en rappelle plus. Bon, t'es bon, t'as fait quoi pour l'instant là? T'as fait de la drogue? T'as fait des braquages de banque? Pas encore. C'est prévu. Quoi? Ah, okay. Ouais, t'inquiète, hein, c'est. Attendez, si je récupère le monsieur, votre fils, il le laisse plus dire. Oh! Tiens! Y'a rien qui va. Ça. Je me prends le coup de James Bond, mais ça marche pas. Tous ces sentis. Tous ces handicapés là! Je t'explique, mon père, c'était un pro des braquages de banque et de la drogue. Et toi, t'as fini au l'expédier? Ouais. Oui, l'autre jour, je suis rentré dans une banque avec un tournevis. Et y'a comment réussir à la braquer? Ouais, mais j'ai pas eu l'argent. Oh, je parle bien. Ouais, tu changes du papier là. Ouais, ça me va bien. Oui, mais maintenant, c'est un nul ça. Fermé ou ouvert? Ah bah, change-moi ça. Dirais quelqu'un du Belize là. Faut dire, moi j'aimerais bien mon papa il m'en rend visite. Militaire, c'est bien. Voilà, celui-là il est cool. Non? Merde. Ouais, il est pas mal. Bah oui, en plus ça fait un peu l'HPD tout ça. Ok. Merde. Putain. Oh, un peu la raison. Le fossile, tu te changes, on y va vite fait, ok? Mais c'est dans la raquette. Bah, je vous attends, au pire, non? Ouais, mais il y a quand même un appel, hein. Oh, ça! Vas-y, vas-y, bon, on va y aller. Vas-y. On revient. Emmène-le, ton pépé. On va le prendre avec toi. Capricia. Mais dis-moi, Capricia, s'il te plaît. Par contre, vous sortez pas de la voiture, hein. Voilà, oui. Tu sors pas de la voiture, sans chef propre. C'est bon, j'ai un nouveau style. Nouveau style. J'ai acheté le truc le plus dégueulasse. Tu penses que les blots sont fragressés? Non. Non, c'est quelqu'un, possible. C'est le blues qui agresse quelqu'un pour la bière. En même temps, ils sont dans le quartier. Ah, en quartier ou pas, il y a un peu d'agression, on y va. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Il va pas trop loin. Attends, regarde, il y a une moto là. Foutez ce bâton, ils arrivent. Voyons. Non, je suis pas fan. En plus, c'est mademoiselle. Oh, c'est pas. C'est Colin, je crois. Oui, c'est vous. Il y a une appel agression. Du coup, on est venu voir. Moi, je viens d'arriver, du coup, je sais pas. Bah, on revient au niveau de la Sanchez. On peut aller voir parce que nous, on veut pas trop rentrer. La Sanchez hein. Oui, voilà. On peut venir avec toi? Je peux voir. Ouais, vous pouvez. Ouais, ok, ça marche. Oui, t'as mon solo taser au cas où, mais. Non, je vais prendre ta caisse. Je vais faire genre je monte passager. Ok, il me voit pas. Allez, fermé. Oh la chute. Vas-y, fais un appel. Monsieur, vous a dit de pas sortir de la voiture. Oui, mais je peux plus rentrer, elle est fermée. Eh, ça c'est ton tank 32. De quoi? Ça c'est ton tank. Ah ben tout le temps je suis maintenant parce que je me suis assez fait voler la voiture. Ah ben justement, j'ai essayé de la voler puis elle était fermée. Ah, c'est qui lui? C'est un citoyen. Je suis son père. Putain. Ouais voilà. Ferme-la. Ah ouais, j'ai cru que c'était un nouveau gilet jaune, j'ai cru. Non même pas. Ah ouais. Bah ça va. Bah le SMC, je sais pas s'ils vont venir. Hein. Ça va. Putain mais c'est chelou quand même. Bah ils ont eu un appel à agression aussi, Smokes. Jure. De quoi? Bah il a dit ils ont. C'est mon kick qu'il a fait. Bah oui c'est ça. Attends. D'où? Attendez, là on est en train de me dire que c'est mon négro, c'est un négro fragile, il a appelé les cops parce qu'il savait pas s'en sortir tout seul dans le quartier. Bah écoutez monsieur, nous on fait le travail, oui, on a reçu l'appel. Je peux te demander. Ouais, les négros, c'est pas contre vous que j'en ai là, mais attendez. Là il va devoir s'expliquer là, il a intérêt à s'expliquer correctement là le négro. Bah attendez, on s'est établi un petit peu parce que là. Il s'est passé quoi, vous rappelez ou? Non, j'ai juste des bleus partout. Ah, vous voulez aller à l'hôpital? J'avais pas une crème. Oh. C'est mal. Alors là, sur moi, j'ai rien. Il faut vraiment aller à l'hôpital, là, monsieur. Ah, t'y vas, Monkey. C'est comme ça. Ok. Allez, pas de soucis, bon lit. On y va, bon lit. Si tu veux. Oui, on l'emmerde, on vous le laisse pas quand même. Bonne journée. Hein. Ok, moi, j'aimerais bien le laisser, hein. De qui? Le fou, non? Non, hein? Non, bah non, laisse le pas ici, le pauvre. Ah. Je fais des amis.
Ouais, peut-être, oui. Ouais, je vais pouvoir faire des braquages. Bah là, oui, tu peux y aller. Hein. Enfin, vous pouvez, pardon. Oh, vas-y, tu peux le tutoyer. Bah, je sais pas, ça dépend de lui. Hein. Ouais, ouais, tu peux, ouais. Bah, d'accord. Et je t'appelle comment? Bennett. Bennett. Bennett allez, Anderson. Hein. Ça me fait penser au Bennett, ça me donne faim. Pardon. J'avoue qu'elle était pas mal celle-là. Merci. Eh, par contre, le fossile. Ouais. Tu arrêtes de dire que je suis ton père, enfin que je suis ton fils, ok? Bah oui, pas devant tout le monde, parce qu'il y a plein de gens, des fois, ils vont pas aimer, je pense. Ouais, ok, d'accord. Que, comment dire, ton fils est un adjudant de la SPD, hein. T'as 22 ans, passe-toi le chercher. Ouais, mais c'est bien, non? Ouais, non, quoi, parce que, comment dire, ils vont te soulever et... Bah et oui, voilà. Si par exemple, il y en a qui veulent la 48, bah ils vont vouloir te prendre une tâche pour faire de mal, tu vois. Oh, mais par contre, tu vas payer les réparations de ma voiture, je suis direct. Ah, c'est pas moi! Comment ça, ta voiture? Elle a quoi, ouais, ta voiture? Il m'a envoyé un message, il me dit... oups, pour ta voiture. C'est pour ça qu'elle est mal garée, hein. Ouais, ouais. Foutiers. Eh, c'est la dernière fois que tu dis que je t'en fiche, non? Histoire fallait, d'accord. De quoi? Non, celui qui est dans la voiture, c'est mon père. Oui, c'est mon fils! Ah, bah, votre fils, il... Putain, ne descendez pas quand j'ai... Oh là là! Votre fils, il... Allez, votre voilà, fils, voilà. Il. Ça vous baisse. Ah. Allez, on est parti. Let's go. Mais l'application sur le téléphone. Ouais, regarde, attends. Oh non, je l'ai pas vu. En fait, je l'ai pas vu. Je l'entends là, ce que je l'ai pas. Ah si, je le revois. Ah non, je l'ai plus. Oui, oui, je te vois. En fait, quand le soleil me regarde, je te vois, mais dès que je vais dans l'ombre, je te vois plus. Ouais, donc en gros, la nuit, t'es aveugle, quoi. Ouais, et toi, t'agis dans l'ombre. Ouais. C'est bien ça. Bon, en tout cas, je suis content quand même. C'est quoi? Bah, qu'on se parle. Bah, ouais, je parle là. Bah, oui, je suis content. Bah, ouais. Ça fait plaisir. Bah ouais. Bon, il a quoi le rouge là? Bonne question. Il y a beaucoup de bloods là à l'intérieur. Hein. Ouais, t'inquiète. Ok. Il y a équipé. Hein? Non, je dis équipé. Hein. Bon, quoi, bon on va y aller. Hein. Ça marche. On va aller changer le pantalon de papier. Moi ouais, j'aime bien. Bon, après, le seul, c'est son style. Hein. Ouais, il est bien. Hein. Moi j'aime bien personnellement. Ah. Moi aussi, ça m'est arrivé tout à l'heure, j'ai pas compris. Ça c'est la SPD pure. Hein. C'est le karma. Il faudra qu'on s'entraîne à faire des glissades, hein, putain. Oh, c'est pas mal comme ça. Ouais. Non, change de vêtements. Non, vas-y, il faut rester comme ça. Ça fait à moitié prisonnier. Ça fait prisonnier rappeur, quoi. Moi, j'irai à la Casa des Papels. Vas-y, tu nous fais un petit rap, là. Ok. Vas-y. Oh, vas-y, je suis chaud, rap. Bennett débarque en ville, débarque à Los Santos. Bennett. Papi. Ah, j'aime bien ça, tu dis. Bah alors, vas-y, fais un petit rap, là. Vas-y, j'ai rien du tout, là. Vas-y, une petite impro, on se fait une impro. Vas-y, y'a qui peut mettre une instru pas forte, là? Vas-y. Mais j'ai pas, là, Karaken. Bah, vas-y, t'inquiète, une instru, va le faire.